Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Shadow of War, l'ombre de la guerre. Hop. Voilà, ninja. Alors j'aimerais quand même, si ça ne dérange personne. Voilà. Interroger ce monsieur pour en apprendre un peu plus, si possible, vis-à-vis de ce chef de guerre. Oh, je peux bug le briseur d'hommes. Nourriture pour bêtes. Les attaques de bêtes lui infligent d'importants dégâts. Pardon, excusez-moi, je vais en sortir, je vais y arriver. Épuisement. Devient temporairement embêté quand sa rage s'épuise, d'accord. Dégâts par exécution, il aime pas ça, d'accord. Dégâts par explosion, il aime pas ça. Dégâts par attaque furtive, il aime pas ça, ok. C'est un motif gestion allié, d'accord, donc ça, ça fait mal. Maître des malédictions, augmente les dégâts de malédiction infligés par ses alliés et lui-même, d'accord. Arme maudite, manie une arme qui permet de maudire ses ennemis, d'accord. Tout ça, ça pue du cul. Frappe des ténèbres, bonus de tribut. Utilise des lames courbes mortelles pour infliger une série de frappes vives et brutales. Donc c'est ce qu'on avait déjà vu, vous savez, la dernière fois qu'il me frappait, il fallait que je réponde au bon bouton. Bouclier de défenseur, donc c'est bizarre parce qu'il a l'air d'avoir plusieurs classes mélangées, enragées par les lâches, d'accord. À l'épreuve, des flèches. Ça, c'est un problème. Mais bon, on trouvera. Merci, au revoir, bye. Allez, on progresse. On progresse. Hop. Je peux passer par là au moins ou... Oui. Ok, on est bon. Arachné peut nous aider à affaiblir les forces. Il fait nuit. Elle a le don d'utiliser la vérité pour tisser des mensonges. C'est pas complètement faux ce que vient de dire Celebrimbor. Alors, hop, c'est bon. La porte du traître. Oh, un Asgul. Minasithil est sur le point de sombrer. Arachné pourrait vous aider, mais à quel prix? C'est parti. Bon kiki. Enfin pouvoir avancer un petit peu dans l'histoire. Pour pouvoir ensuite ouvrir ses coffres, ce serait sympa. Alors je sais pas s'ils sont datés, entre guillemets, c'est-à-dire un petit peu comme... Comme sur Overwatch, où le contenu du coffre est daté au moment où vous le chopez. Si tu peux voir la fin de Sauron... Mais bon, on verra. Révèle sa faiblesse pour que nous puissions le battre. Ta vision est fragmentaire. Et tes positions sont toujours suggestives. Mieux que de le voir agoniser, demander grâce à mes pieds. Mais mon regard suit le destin de la terre du milieu. Alors rends-nous ce que tu m'as volé, et je pourrai te livrer Sauron enchaîné. Pourquoi ferais-je cela, créateur? Sauron et toi ne faites qu'un. C'est ce que tu cherches? Qu'après ces devinettes? Ah! Elle n'est pas notre alliée. Certainement pas la tienne. Approche, Talion. Qu'est-ce que tu vas me faire avec ses mains? Mes yeux. Oh, d'accord. C'est pas tes yeux qui m'intéressent, c'est tes mains. L'heure des fêtes. Vient de l'intérieur. Ça ne veut rien dire du tout. Du tout. Du tout. Absolument rien dire du tout. Minasithil abriterait un traître. Mais qui? Doutes-tu d'elle? Ses visions ne mentent pas. Tu l'as vu comme moi. On va chercher un traître pendant alors, que ça. Minasithil doit mener une guerre des deux côtés. On t'entend presque pas, par contre, tu peux te rapprocher ou parler plus fort. Un chef de guerre lui parle via un messager. On peut te
montrer le message. Ah, c'est pas con ça par contre. Regarde là-bas. Tu vois, la maîtresse des ténèbres offre ses petits. Réveille-les pour voir ce qu'ils font. Tu ne vas pas dans le bon sens. Mais quoi? Je rêve où Gollum est mort. Enfin, il est décédé dans sa connerie. Hop là. Un sommeil profond. Oh putain. Le pathfinding de Gollum est complètement mort. Voilà. Maîtresse des ténèbres. C'est ça qu'il fallait retenir. Oui, bah si le messager est en train de délivrer le message, effectivement, si on va dans la base. C'est le messager. Il faut le suivre. Son maître. Nous prenons le relais. Ne te fais pas voir, Gollum. Allez. Hop. C'est parfait. Tu boiras plus jamais une goutte de grog. Excuse-moi, mais je ne te crois pas. Voilà. Hors de mon chemin. Oh. Je suis en mission. Je vais voir le briseur d'hommes pour lui transmettre des informations importantes. Je viens de rencontrer le traître. J'étais pas sur ton chemin. Et si ta mission est si importante que ça, pourquoi tu perds ton temps à m'en parler? Remets-toi en route, larve. C'est comique. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Toi non plus d'ailleurs. Hey, faites place! Faites place! J'ai des nouvelles pour le chef. Il est magique quand même. Je viens de croiser ce traître de Port-Rose. Et il avait un message pour le chef. Tu ferais mieux de la fermer. Le briseur d'hommes t'écorchera vif si tu continues à chacasser comme ça. Il bouge, c'est bon. Pas bosser, j'avais pas bossé, mais jamais va tuer. Le mec, il est triste de pas pouvoir tuer quelqu'un. Hop, merci d'être mort. Hop là, bonjour. Où est-ce que tu veux que je m'approche? Ça y est. Briseur d'hommes, l'immortel est à mes trousses. Je lui ai rien dit sur le traître. Je le jure. Bah oui, t'as parlé d'un traître, trou du cul. Si on n'était pas censé savoir qu'il y avait un traître. Oh! Oh, il continue! Ah! Oh. C'est stylé, son espèce de rage rouge là autour de lui. Non, c'était quoi? Si, c'est lui.
C'est son bouclier en plus, j'ai l'impression. Non, c'est sa lame qui est maudite. Ah, il veut désosser des gens. Ça peut s'arranger, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Bah bien. Bonjour. Oui, moi. Attends, tu viens de parler. Vous venez ou pas? Raté. Mais bon, peut-être que ça va marcher. Non plus? Ok. Et ça marche pas, ça. Hop. Oh, regardez. Des araignées. L'araignée est un être bien singulier. Ouh, j'ai réussi à tout contrer. Merci pour ta santé. T'aimes pas les araignées? Moi j'aime bien. Surtout quand elles sont rouges et bleues. Hop. Raté. Oh. Bonjour. Peux-tu me parler du traître, s'il te plaît? Tu m'as dit que tu ne dirais rien, mais... ne sont pas passés inaperçus, rôdeur. Oh putain. Tu éprouves ma patience. Bientôt, j'éprouverai ta résistance. C'est les Nazgûl qui parlent. Ah, il a été tué par le Nazgûl. Je pense que c'est le Nazgûl qui l'a tué. Oh, il a lâché du légendaire! C'est l'œuvre du roi sorcier. Il nous nargue. Je dois récupérer mon anneau. Et tu l'auras. Mais avant ça, il faut s'occuper du traître à Minas Sithil. Non, il faut récupérer l'objet légendaire d'abord. Ah bah, je l'ai récupéré automatiquement. Le jeu cruel, ce tueur rempli de fiel. Les orques l'éviscèrent et leur tête, il la sert. Ah, il aime bien maintenant. Le cerveau, une cisaille, leur visage, une entaille. Meilleure chanson du monde. Numéro 1 du top 50. Il peut être utile. Bah, si en plus il m'aime bien, moi j'ai rien à dire. Ok, level up. Et un équipement légendaire. Alors on va commencer par mettre le point. Le chant des araignées, ouais. Parfum de matriarche. D'accord, fait exploser un feu de camp et attire les gules dans la zone, d'accord. Tirer sur les feux de camp pour faire exploser sans utiliser la frappe de l'ombre. Ah bah oui, ça je mets ça. Oui, mais on n'avait pas dit qu'il y avait autre chose qu'il fallait que je prenne. Ah bah si, les Caragor. La monture. Je pense que c'est... je peux appeler un Grok ou un Drake à la fin. Ça va être épique. Ouais, il fallait absolument que je prenne ça, hein, clairement. Bon, ok. Inventaire. On a une cape apparemment légendaire, ça peut être intéressant. Voilà. Niveau 14, on gagne plein de points en plus. Elle ressemble à une cape à moitié brûlée. Cape des ténèbres absolues. Recruter un orque de la tribu des ténèbres de niveau 20 ou supérieur pour augmenter. D'accord. Ok, bon bah je la porte, hein, ça peut être sympa. En tout cas, j'aime bien le principe des éléments. Alors oui, au passage. Là, je suis pas rentré et pourtant il y a un truc à récupérer. Donc, on progresse. Avec mon anneau, j'aurais pu empêcher cela. Il faut le récupérer. Oui, mais il faut d'abord se charger du traître qui se cache à Minas Sithil. Ah bah il peut... en fait c'est juste le... c'était juste le...
le gros qui voulait pas monter en fait. Parce que là je... Enfin... C'est-à-dire que je peux difficilement monter plus haut en fait maintenant. Tu veux bien monter un peu plus? Merci. Hop, voilà. Clac. Et en plus, il y a personne là-haut. Bon bah vendu. Hop là. Oh. Ah non, je croyais qu'il flottait. Point d'aptitude obtenu vu qu'on a obtenu tous les trucs. Donc c'est assez cool, une belle bague. En faisant appeler les maraudeurs, convoitent davantage les richesses que leurs congénères. C'est la cupidité et non la soif de sang qui les motive. Et contrairement aux autres orques, ils portent des bijoux comme cet anneau pour se distinguer. D'accord. Nous avons trouvé cet anneau sur un maraudeur mort et nous ignorons donc son histoire. Mais il semble de style numénoréen. Si nous savions où les maraudeurs trouvent de tels trésors, nous pourrions apprendre tellement de choses. C'est intéressant. Sur un principe, c'est intéressant parce que on a du mal à imaginer ça d'un orque en fait, finalement, si je puis dire. Hop, c'était là-haut. Le point sur le i. Ça, c'est quoi ça? Chevaucheur de Drake. Mais je vois pas la différence entre ça. Ah, d'accord, je peux pas l'appeler et le chevaucher. Chevauchement. Alors, ça. Ça va être extrêmement pratique. Alors, je le prends. Parce qu'on va gagner un temps fou pour monter sur un truc qu'on aura. Par exemple, imaginez, on a un combat en cours entre une bête que j'ai libérée et tout un tas de bestioles. Une fois qu'il est brisé, je fais ça, je monte dessus, récupère toute sa santé, je recte tout le monde. C'est extrêmement pratique. Wouah ! Quand vous utilisez le chevauchement spectral sur un Karagor brisé, les autres Karagor proches sont... Ah vache. C'est extrêmement intéressant. Un anneau de Numénor. C'est un bel ouvrage. Des hommes. Je viens de comprendre. Allez! Viens voir papa. Tu viens? Je t'attends. Non? Ah! Nouveaux ennemis, les Drakes. Les Drakes crachent des flammes sur leurs ennemis en restant à distance. Tirez-leur dans la tête lorsqu'ils vous attaquent pour les faire tomber au sol. Merde, j'ai plus de flèches. Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des champs. Allez, viens. Viens! Viens! Voilà, j'en tirerai deux. Je vais décocher deux flèches. Ça devrait être suffisant, non? Pour le faire venir. Vache! Tais-toi! Ok, je l'ai eu. Bon, j'ai pas compris trop comment je l'ai eu, mais je l'ai eu. Je crois que c'est un des leurs qui l'a eu. Mais ce n'est pas grave. Ok. Karagor! Merci. Ah, puis les bleus et tout, il est stylé. Coucou! Bonjour, mangez! N'ayez pas peur! C'est plus haut que prévu. Mouahaha, faut qu'on me l'enferme. Hop là. Ah oui, attendez, j'ai envie de tester un truc, regardez. Kaboum! Non, ça marche pas. Je pensais que ça ouvrirait la porte, tout ça. On va aller me torcher. Alors, objectif de quête. C'est pas grave. J'accepte. Ok. Mm-hmm.
Mais ah, attendez, il y a plus de... Je les ai tous ? Ah non, 2 sur 6. Je peux me torcher. Faut que j'aille où ? Faut que j'aille où ? Il faut que j'aille où ? Qui est disponible dans Mina City ? Ah ! Ah ah ! Carte du monde. Voilà. On va pas se viander bêtement. Chef suprême inconnu. Chef suprême général Castamir. C'est stylé. C'est tellement stylé. Olisga. Osgiliath. C'est sympa. Bah nous on va aller là. Je vois que ça. Hein. Oui, on va se déplacer jusqu'à cette région. Après tout, pourquoi pas? Voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Vos capitaines gardent du corps de vos chefs de guerre en leur donnant l'ordre dans le menu armée. D'accord, intéressant. On peut coller des gardes du corps, par exemple, peut-être un chef un peu plus faible, j'imagine. En tout cas, le jeu est beau. Le jeu est même très beau. Je veux dire, dans sa direction artistique, hein, pas vraiment dans sa... Quoi ? Il y a un souvenir de l'arachné juste à côté. Je vais pas cracher dessus. Je lui ai demandé sans détour. Quand ton regard se pose sur moi, que vois-tu? C'est joli. Un monstre. Tentatrice. Il n'a pas répondu. Voilà, hop là. Bonjour. Et c'est fini. Pas les masques qu'elle porte. Ne l'oublie pas, Talion. Il manque la moitié de la phrase, c'est vraiment dommage. Bonjour! Qui es-tu, trou du cul? Hop. Rache le tueur mort. C'est rigolo. Oui, d'accord. Il est stylé par contre visuellement, hein. Je veux pas dire, mais. Oh, il a un œil sur le haut de là. Couché! Je peux bien le faire venir, les gars! Faible! Hop là. Oh, bonjour. Skak le survivant. Ah, c'est possible. Hop là. Hop là, toujours pas. Je ne crois pas. Ferme la porte. Hop là. Toujours pas. Ah, là c'est bon là. Toujours pas la tête, hein. Alouette. Merci. Non, non, c'est moi qui l'ai mis en morceaux, en l'occurrence. Bref. nous avons ici un artefact pour un point de compétence. On va aller choper les deux artefacts de la zone. En vitesse grand V, hein, je l'annonce. Je vais pas m'embêter. Ouais, tu m'as repéré parce que uniquement parce que le jeu a pas voulu faire ce qu'il faut, quoi.
Hop, par contre là j'ai fait ce qu'il fallait. Tiens, il y a un tas d'objets ici, c'est rigolo. Comment ils ont monté la table ? La cité du Gondor est souveraine en matière de justice, sauf dans les affaires les plus importantes. Et j'ai toujours vu les questions légales être réglées à Minas Ithil. Quand j'étais petite, je me souviens que mon père s'occupait principalement de trancher les litiges commerciaux. Puis les orques sont arrivés. Et les questions de justice. Dommage que ce soit sombre. Aux questions de survie. D'accord. Bon, pourquoi pas ? Le deuxième. Est à l'autre bout. Un marteau. C'est assez simple. Étrange symbole pour la justice. Par contre, ça c'est moche. La justice, sinon un marteau frappant le clou arrogant. Ok. Miam. Miam. Voilà. Salut les filles. Oh, c'est stylé. C'est parce que le poteau me gêne, donc c'est stylé. J'ai le bouton tuer, je crois. Regardez. Hop là. Crac. C'est sympa aussi. Hop là. Manger. Ça me fait gagner des pièces, hein. Je m'en fous. Hein. Oh merde. Ah, je l'ai eu du coup. Cool. Allez, meurs aussi. Mon visage. Hop, les manger. Manger. Tu me renverras pas une de ces saloperies sur la tête, quoi. Voilà. Et j'ai encore tout gagné. Ramasser. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Une pièce. Le Gondor a déjà affronté le roi sorcier, qui rêve depuis de se venger de Minas Ithil. Cette pièce représente le vainqueur, Éarnur, dernier roi du Gondor. Il y a bien des siècles, Éarnur dirigeait une armée qui mit le roi sorcier en déroute et renvoya les troupes ennemies jusqu'en Angmar. Mais cette victoire perdit de son sens lorsque notre roi devint orgueilleux. Le roi sorcier défia Éarnur en combat singulier et celui-ci partit vers l'est pour tout seul. Y revenir. Voilà. Gros débile. On l'appela ensuite Éarnir. Éarnir, gros débile. Sorcier. Deux fois. Il deux fois. Il n'a pas accompli sa mission la première fois. C'était pas un belge. J'ai rien contre mes amis belges, rassurez-vous. Oh, mais t'es un. Ça te fait mal? Je donne la mise, s'il vous plaît. Wouah, what? Il m'a envoyé des. Oh, mais toi! Comment il a fait de saigner. Aïe, tu permets que la caméra revienne, s'il te plaît? Allez, là, ça va être suffisant. Voilà! C'est ça qui est bon. Lui, il a perdu la tête. C'était ça que je voulais, dès le départ. Allez, on y va. Hop là. Bonjour. Au revoir. Désolé. Tu meurs. Hop. Crac, crac, crac. Et deux, trois. Vu que c'est sur mon chemin, après tout. Oh, joli. Les orques sont obsédés par les anneaux, bien plus que par les pièces ou les autres bijoux de valeur égale. Ils en destituent immédiatement leurs prisonniers,
Mais nul ne sait vraiment ce qu'il advient de ces anneaux ensuite. Et les portes ? Il est rare de voir des orques emportés. Autant pour moi. Je ferme ma gueule, j'en parle plus. Ok, non mais... Ok. T'as voulu... Ok, pas de soucis, mais... Enfin... Voilà, tu m'entendras plus en parler. Bah du coup, on va gagner en vitesse, on va... J'ai pas fait un déplacement rapide, j'ai fait avancer dans le temps. J'ai été con. Nouveau capitaine inconnu. Nazu le poète. Est-ce que ça m'a téléporté ? Ça m'a téléporté, c'est parfait. Bon, tant mieux. Ici. Un bel anneau, mais il me paraît ordinaire. Il ne mérite pas le même nom que l'anneau que nous avons créé. Tout en bas. Pas vu. On soit d'accord, ils m'ont pas vu du tout, hein. What? Selon mon père, une bannière a deux rôles au combat. Diriger et motiver. Au cœur de la bataille, on ne peut pas se perdre tant que l'on garde son drapeau en vue. Les orques ont peut-être décroché nos bannières, mais le drapeau du Gondor reste une source de motivation, même si je ne l'ai plus sous les yeux. Je sais plus comment s'appelle l'arbre blanc. Le drapeau de notre peuple. Longue vie à lui. Préoccupe-toi plutôt des tours sur lesquelles il flotte. J'ai quelque chose pour toi. C'est marrant, ça fait pop des Caragors un peu n'importe où. Mais c'est pratique. Je me rappelais pas que ça faisait pop des Caragors. Justement, du coup, je l'utilisais pas parce que je vous disais, il n'y a jamais de Caragors dans le coin. Waouh. Tu veux bien grimper? Merci. Hop là, merci d'être venu. C'était rien. C'était Batman. Hop là. Bonjour. Tu ne m'as pas vu. J'aimerais bien empoisonner le Krog. Je peux empoisonner le Krog. Je crois que je pouvais l'empoisonner à distance, mais... Autant pour moi. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas là que je vais. Non, c'est pas là non plus. Merci d'être mort. Voilà, crac, bonjour. Ah, ça l'a récupéré tout seul, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est ? Du Gondor regorge de Drake. Ah, un bouclier en forme de Drake. Dit-on, sous terre. Mais ici, au Mordor, j'en ai vu de mes propres yeux. Est-ce que c'est un bouclier ou est-ce que c'est... À bonne distance, cependant. Et ils n'ont rien à voir avec ce qu'en disent les histoires. Ce sont des chasseurs ailés mortels, avides et cruels, qui se complaisent à torturer leur proie avant de la dévorer. Sympa ! Cette écaille, prise sur un cadavre de Drake que nous avons découvert dans la caverne d'un Grog, donne une idée de leur taille et de la puissance nécessaire pour faire voler un tel poids. Elle a raison. Elle s'intéresse aux bonnes choses. C'est intéressant parce qu'elle a vraiment le bon, la bonne idée parfois, si je puis dire. Si je peux appeler ça l'idée. Bon, sachant qu'il n'y a rien jusque-là, je vais terminer la zone en termes d'artefacts. Vous voyez, là. Puis je reviendrai ici, récupérer celui-là sans doute. Ou alors je fais ça, clang. Et je reviendrai ensuite ici pour la mission du prochain épisode, je pense. On verra bien ce qui va se passer entre temps, en tout cas. On a 35 minutes. Ah oui, ça a peut-être été plus long. Drake ou de dragon ? Sans doute un Drake. Les dragons entretiennent mieux leurs écailles. Logique. Logique, absolument logique.
Allez, on va faire ça dans ce sens-là, tant pis. Je pense pas que ce soit le plus rapide, mais... On y va. C'est là que je me mettrais si j'étais un... Hop. Parfait. Crac. Ça va se faire vite. Il est à ce niveau-là ou il est au niveau d'après? Il est à ce niveau-là. Il y en a un autre au niveau d'après. Ok, on progresse. Ça se passe plutôt bien. J'aime bien, c'est, en fait, faut vraiment, du coup, maintenant, faut vraiment passer par ces décors qui te protègent, finalement. Hein. Alors voilà, je vais quand même tester. Non, d'accord, ok, faut juste que j'ai pas... J'ai juste vraiment à presser pour qu'il appuie, pour qu'il le prenne. Qu'est-ce que c'est? Nous, Andorien, oh, considérons Mina Sithil comme notre foyer. Mais nous ne pouvons en revendiquer la construction. Cet honneur revient aux exilés du légendaire royaume de Numénor, au-delà des mers séparatrices. Ces architectes hors pair ont conçu cette cité de marbre afin qu'elle reflète la lumière de la lune et luise d'une chaleur intérieure. Mais la beauté et la lumière de la cité ont suscité la colère du roi sorcier qui cherche depuis longtemps à se venger du Gondor. Non, j'ai failli! J'ai failli! Ouh, ceux qui comprennent pas, comprennent pas. Ceux qui comprennent, comprennent. Je ne veux pas spoiler. Rivalise avec celle des elfes. De qui tiennent-ils ce talent, à ton avis? Ils n'étaient que des élèves assidus. Ok, on monte. Alors, maintenant, nous nous dirigeons vers ce point-ci. Qui se trouve être finalement plus loin que ce que je pensais. Enfin bon, ça va assez vite. Hein. J'ai presque envie de prendre un Caragor, mais je pense qu'il attirerait trop l'attention. Et que finalement, on y perdrait du temps. Ça m'arrange, ça, par contre. T'es en train de faire quoi, toi? Ils sont en train de les buter? Soyons d'accord sur le principe, c'est ce qu'il faisait là, non? Hop là. Tu sais pas ce qui rôde dans le coin, c'est moi, le rôdeur. Tu sais, mon principe, c'est de rôder. Même leurs récipients les plus simples sont d'une finesse extraordinaire. Cet artefact. Ah, c'est une question intéressante. Un service de table offert en cadeau il y a des siècles. Donc voilà, déjà, de base, c'est un cadeau. Les pièces se sont brisées en tombant de leur étagère lors de l'un des nombreux séismes du Mordor. Si mes prédécesseurs avaient conservé les fragments, je me serais fait un plaisir de réparer ces objets. L'artisanat elfique mérite de durer. Oh, il devrait apprécier ça, Celebrimbor, comme phrase. Quel genre de banquet organisent les elfes? Le style elfique est moins tapageur que celui des orques ou des hommes. Je serais curieux de savoir, c'est vrai qu'il n'y a que des bonnes questions pour l'instant, hein. je suis intrigué. Allez, on progresse de maison en maison. Hop. Salut l'ami. Ravi de te voir. Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans la maison? Qui brûle? Qu'est-ce que c'est que ça? Hop les bonjour. Réponds à ma question. Comment tu t'appelles? Je peux. Dieu merci, ils ont pas d'infos sur les. D'accord, cool. C'est que des petits capitaines, je pense pas qu'il y ait vraiment de risque. C'est marrant, ils se déplaçaient. Vraiment de manière furtive. Hop là. Je me permets de grimper, hein. Au plus vite. Crac. Ce qui est marrant, c'est que je pensais être monté sur ces trucs-là et finalement, bah, je les avais pas.
C'est dommage, hein. Oh, une pipe. Ah, génial. Est censé avoir été fabriqué par les Hobbits, une espèce de semi-homme vivant dans le nord, au-delà des régions que nous connaissons. L'idée d'adulte m'arrivant à peine à la taille me perturbe quelque peu. Mais après ce que j'ai pu voir au Mordor, un Hobbit serait une perturbation tout à fait bienvenue. Même si je suppose qu'un Hobbit ne tiendrait pas longtemps au Mordor. Bouh, tu te plantes complètement. Si tu savais combien tu te plantes. Oula, j'ai vu un truc qui a brillé rouge, j'espère, d'un instant. Il ne me manque que de l'herbe à pipe. Tu ne risques pas d'en trouver dans les environs. Il y a pas beaucoup d'herbe en règle générale pour l'instant dans les environs. Quoique si, finalement. Mais bon, c'est pas... C'est pas de l'herbe magique, si je puis dire. Hein, entre guillemets. Ok. Récompense de quoi, ça? Trophée de 30 ennemis en souvenir de ses exploits. Pour un point d'aptitude. Ça pourrait être intéressant, mais une prochaine fois, je pense. Hop! Ou alors, je le fais tout de suite. On a 41 minutes d'épisode. Je le fais tout de suite, mais dans le prochain épisode. Salut les gens!